Les Égyptiens se rendront bel et bien aux urnes cette année pour élire leur futur président. L'autorité nationale des élections du pays a publié le calendrier électoral irrelatif. C'était à la faveur d'une conférence de presse organisée lundi dans la capitale égyptienne. Les élections nationales se dérouleront sur 3 jours, les 26, 27 et 28 mars 2018. Seulement, la diaspora égyptienne accomplira son devoir civique un peu plus tôt, c'est-à-dire du 16 au 18 mars, selon le programme fixé par l'autorité des élections. En cas de deuxième tour, le corps électoral sera convoqué du 24 au 26 avril pour départager les deux finalistes. L'organe en charge de l'organisation des élections s'est aussi prononcé sur la période des dépôts des candidatures. Les candidatures aux élections présidentielles égyptiennes pour 2018 seront reçues du 20 au 29 janvier 2018 au siège de l'autorité nationale des élections. Pas facile de supputer sur les candidatures éventuelles. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, avait laissé entendre qu'il ne briguera pas un troisième mandat. C'est dire que le président élu en 2014 pourrait participer au scrutin de mars. Mais il entretient encore le suspense à 2 mois de l'échéance.